tränjes på skötet, tränjes kuppet. Nu fryser oss. Tränjes på det. Du, du mörs ska vi ut. Du mörs. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Cyril Degatta, je suis technicien effets spéciaux et artificier diplômé depuis 1996. J'ai beaucoup travaillé sur les productions de films, séries télé et clips. Le dernier en date étant Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Et une question a été assez récurrente tout au long de ma carrière, et comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo d'intro, les impacts de balles sur les comédiens, comment on fait? Alors aujourd'hui, pour notre première vidéo tuto effets spéciaux, je vous invite à aller avec moi à l'atelier pour découvrir ça. Pour commencer, il va vous falloir de la colle contact en aérosol. Personnellement, j'utilise la 77 de chez 3M. Il va vous falloir également de la pâte américaine. Cela se trouve dans toutes les bonnes boutiques. Du gaffer. J'utilise du 50 mm. Peu importe la couleur pour la base, mais pour la face, il vous faudra du rouge. Du sans factice. Épais et foncé. Clair et fluide, selon les besoins. Mais préférez de l'hypoallergénique et du lavable. Évitez les recettes maison. Pour finir, un flacon souple. Avec un verseur pipette. Cela vous permettra de remplir facilement et proprement vos poches de sang. Il vous faudra également des platines de protection comme celle-ci. Elles sont spécialement adaptées pour placer un impact sur le corps d'un comédien ou d'un cascadeur et ainsi travailler en toute sécurité. Elles sont composées de deux éléments. Le premier est une plaque de mousse haute densité, d'environ 5 mm d'épaisseur. Le deuxième est un bouclier en aluminium, spécialement usiné, pour diriger toute la force de l'impact vers l'extérieur. On peut y pratiquer une rainure supplémentaire afin de laisser passer le fil de l'impact. Les deux éléments sont collés ensemble avec de la colle néoprène. Pour finir, on applique une peinture rouge. Ceci permettra de rendre votre platine totalement invisible à la caméra après l'explosion de l'impact. Il faudra vous munir également d'un mini rasoir ou d'un bistouri jetable. Ce type de petit ustensile très tranchant vous permettra de prédécouper le vêtement avant l'application de l'impact. Cette opération est très importante. Vous trouverez cet ustensile aisément sur internet. Parlons des impacts à présent. Une très large gamme est disponible sur le marché. Leur forme, leurs composantes, nous donnent une idée assez précise de la destination finale du produit. Ceux-ci sont des impacts soufflants. Ceux-là sont des impacts brisants. Et ces derniers sont spécialement fabriqués afin de procéder à la destruction de matériaux vitrés. Mais ce n'est pas ces produits qui nous intéressent pour l'instant, donc mettons-les de côté et nous y reviendrons plus tard. Concentrons-nous plutôt sur ce qui nous intéresse, les impacts corporels, facilement reconnaissables par leur forme plate et arrondie. Cette forme qui leur permet d'ailleurs de s'adapter parfaitement dans les platines de protection. Il existe une multitude d'impacts corporels. Selon les fabricants, la forme et la taille peuvent varier, mais cela nous donne toujours une indication assez précise sur la puissance de ce dernier. Voilà le matériel qui vous sera nécessaire pour le montage de chaque impact. Il vous faut une platine de protection, un impact corporel, un préservatif. Préférez des non lubrifiés, cela facilitera le montage et vous évitera de perdre du temps à le dégraisser. Le préservatif offre des propriétés très intéressantes. La première, c'est qu'ils sont garantis étanches, et ce n'est pas négligeable. La deuxième, c'est qu'ils sont extrêmement résistants. Ils nous permettront de monter des impacts sur les comédiens ou des cascadeurs lors de scènes de combat ou d'action, sans craindre que votre poche se perce ou ne présente des fuites. Il faudra votre sang, le gaffeur, n'oubliez pas le rouge, et pour finir, notre pâte américaine. La première étape consiste à remplir votre préservatif avec la dose de sang désirée. Utilisez pour cela le flacon pipette. Puis, chassez au maximum l'air du préservatif. Terminez par un nœud au plus proche du bourrelet d'arrêt.
Le résultat doit être une poche plate avec le minimum d'air à l'intérieur. Prenez votre platine de protection et placez-y une petite quantité de pâte américaine. Puis, positionnez votre impact. Une simple pression suffira à faire tenir l'ensemble. Prenez du gaffer. Vous pouvez remplacer pour cette opération par du scotch de masquage. Celui-ci est moins onéreux et facilitera le démontage pour la récupération de votre platine. Découpez deux bandes de gaffer d'environ 20 cm chacune et positionnez les bords à bord, adhésifs vers le haut. Installez ensuite votre platine avec votre impact. Puis, votre poche de sang. Assurez-vous que votre impact se trouve sur la partie basse de la poche. Tout le sang se trouvant en dessous pourrait être perdu. Procédons maintenant à la fermeture. Cette technique de fermeture est très importante. Elle garantira le bon fonctionnement de votre effet. Et de la même façon, un résultat parfait à la caméra. Une fois la poche fermée, le résultat doit être assez similaire. La poche doit être plate et votre impact se trouver face à la partie non recouverte. Il vous suffira ensuite de replier légèrement la partie supérieure de la poche pour avoir plus ou moins de pression. Plus celle-ci sera comprimée, plus le sang giclera. Pour finir, appliquons du gaffer rouge sur la face avant de l'impact. Ceci vous permettra de rendre votre poche totalement invisible à la caméra après l'explosion de ce dernier. Et voilà, votre impact est enfin terminé. Il ne vous restera plus qu'à le monter sur le comédien. Répétez l'opération autant de fois que vous avez d'impact. Pour la pose sur les costumes, rien de plus simple. Prenez une feuille de carton rigide, puis glissez-la sous le vêtement, sur la zone de l'impact. Puis à l'aide de votre mini-rasoir, et à l'endroit précis de l'impact, prédécoupez votre tissu de façon circulaire. Je vous rappelle que cette opération est très importante, si vous voulez que le tissu se déchire proprement, au lieu d'éclater de façon aléatoire. Pulvérisez ensuite votre colle contact sur votre poche, puis laissez reposer le tout quelques instants. Placez ensuite votre poche sous le vêtement en vous assurant de bien faire coïncider votre prédécoupage avec la zone de l'impact. Assurez le maintien sur la face intérieure avec du gaffeur. Et voilà, le montage est terminé et sera totalement invisible à la caméra. Donc il ne vous reste plus qu'à vous éclater. Et bien voilà, merci d'avoir regardé ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit plus, partagez nos vidéos, mais surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Si vous voulez qu'on aborde un effet spécial en particulier, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous ferons mieux pour y répondre dans les prochains tutos. Voilà, je vous dis merci à tous et à très bientôt.